Découvrez une salle de sport vraiment pas comme les autres. Bien dans ma peau à Wari, votre studio de coaching sportif à taille humaine. Des séances entièrement personnalisées et sur mesure, adaptées à vos besoins. Mais surtout, une salle cosy, chaleureuse, aménagée dans un ancien corps de ferme. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi aujourd'hui, c'est Body Challenge. Je suis ravie d'être avec vous, il fait beau, on est bien. Voilà. Alors, le body challenge du jour, c'est à la sauce Virginie, vous allez adorer. Alors, il y a 40 exercices aujourd'hui, 40 exercices qui vont être exécutés en 50 secondes de travail, 10 secondes de récupération. C'est tout le corps, ok? Tous les muscles vont être sollicités, ou à peu près. Alors, c'est pas... Pour les débutants, je vais préciser, 50-10, ça peut vous paraître excessivement long. Donc vous réduisez, faites 40-20 ou 30-30, c'est pas grave. Vous aurez le timer que vous verrez ici. Pareil, je donnerai des options pour les exercices. Autre moyen aussi d'alléger un petit peu, vous pouvez faire moins d'exercices quand vous n'en pouvez plus, vous arrêtez. Là, on sera parti pour 40 minutes non-stop. Ça marche? Donc n'hésitez pas à prendre toutes les options. Donc je montrerai à chaque fois l'exercice entre les deux, ce que je ne vais pas vous assommer là directement avec les 40. Je vais juste pour l'échauffement. Je vais juste vous préciser ce que c'est qu'on va faire. Ça marche pas? Ah! À l'échauffement, il va y avoir 4 exercices, ça va être un tabata. Donc les 4 exercices d'échauffement, c'est squat, fente, squat, fente. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, ce sont des pompes. Donc les pompes, soit sur les pointes, soit sur les genoux. Ok? On fait une pompe. On vient toucher son épaule. On fait une deuxième pompe, on vient toucher son épaule. Ça marche, sur pointe, on fait une pompe, touche l'épaule, on fait une pompe, touche l'épaule. Le troisième, c'est du super crunch. Alors, le super crunch, je pars, bras et jambes tendues, top, oups, et je reviens sur mes pointes de fesses. Ça marche? Si ça c'est compliqué, on fait du crunch. Ça marche aussi. Et le quatrième, c'est le shoulder workout. Vous connaissez parfaitement aussi. On l'a fait déjà plusieurs fois pour ceux qui nous suivent depuis le début. C'est je marche sur les mains. Je descends, je marche. Donc je peux m'arrêter ici et remonter. Sinon, je m'écrase au sol et je me relève. Je fais attention à mon dos en me relevant. Toc, ça marche. Ça, c'est l'échauffement. On est parti. Allez, go. Ah, mon matériel. Le tapis, évidemment. Et pour ceux qui l'ont, ici, il y a des exercices pour lesquels il va vous paraître assez léger, d'autres où il va vous paraître un peu lourd. N'hésitez pas, dans les 10 secondes, je sais que c'est un peu court, à vider le sac. Okay, d'avoir un bouquin facilement accessible, tac, et vous le retirez. Ça roule? Ok. Allez, pour l'échauffement, pas de sac, hein, on y va tranquille. On est parti dans 10 secondes. Pour les squats, fente squat. Allez, c'est parti. Squat, fente, squat, fente. C'est parti, hein. Allez, doucement, hein, c'est l'échauffement. Squat. Toc. Ok, 10 secondes de la cube, c'est les pompes. La pompe, touche l'épaule. La pompe, touche l'épaule. Le super crunch, on va sur le tapis. C'est parti, on se retrouve sur ses fesses. Allez, sur les fesses. On se remet bien sur ses pointes de fesses. Hein. Ah, ok. Et les shoulders. Alors, n'oublie pas, hein, c'est l'échauffement. C'est parti. On marche sur ses mains, on s'écrase au sol et on se redresse.
parti pour les fentes. Squat fente. Allez. Fente. Squat fente. C'est parti. C'est parti. Donc ces quatre exercices qu'on va retrouver, hein. Ouh.
Allez, le sac à dos, c'est une option, hein. Merde, vous avez le soin. Ouais, ça me donne. C'est parti. Allez, dites-vous que chaque exercice, on le fait qu'une fois. Si vous ne l'aimez pas, dites-vous qu'il ne dure que 50 secondes. Allez. Allez, troisième exercice. Équilibre sur les fesses. Et élévation avec cette petite chose. Ok, on est en équilibre sur ses fesses. Élévation au-dessus de sa tête. L'élévation, c'est une option. Si on ne la prend pas, on reste en équilibre sur ses fesses. Ok? On fait juste attention à son dos. Pas avoir le dos tout rond. Ok? C'est déjà chaud, le petit lapin, qu'est-ce que vous en dites? Allez, fente jump. Guenage, guenage main-fesse. J'ai pas besoin de sac, là. C'est un guenage. On est en guenage. Droit devant, on vient taper ses fesses. Et je vais entendre claquer les fesses d'ici, hein. Devant, tac. Ça claque les fesses. Si c'est dur, hein, pareil, on se met sur les genoux, devant, on tape. C'est pareil. Allez, bras devant, et on vient bien claquer ses fesses. Fais circuler le sang. Allez, 10 secondes. Et donc vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est des fente jump avec un petit intermédiaire. Ok, donc fente, jump, tac, je stabilise, tac, je stabilise. Ok, oui ça. Un petit en bas, contre deux. Si ça c'est dur, faites de la fente simple. Ok, sans sauter. Tout le monde est vivant pour l'instant, ça va? Allez, c'est le cinquième exercice. Oula! Cinquième exercice. Trois. Allez, c'est celui qu'on a fait l'échauffement. Pompe, touche l'épaule. Bon, un petit coup. Allez, c'est parti. Allez. Au besoin, sur le genou. Pompe, touche. Ok. Touche. Allez, emmenez la jambe de l'autre côté. On
twist. Le pied là, il reste stable. On revient, on twist. Ça fait mal au genou, on reste dans son axe, ok? Allez. Option, on reste dans l'axe. Option, X en sac à dos. Option, on réduit le temps. Mais on fait quelque chose. Allez. Allez, on amène bien loin, travail des fessiers. Allez, il nous reste 10 secondes. Et on relâche. Allez, c'est du squat iso. On va être en squat, on bouge pas. Allez, on a bien poids sur ses talons. Ça va bien. Ah non, il va. Allez, 25, moitié. On est au 8e exercice et je trouve qu'il fait déjà bien bien chaud. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 3. On remonte tout doucement. Montez de genoux. Allez, là, il y a une petite enchaînement de cuisses. Sympathique. Allez, là, on reste bien gainé, hein. Alors ça, si c'est compliqué, on fait des kicks. Dynamique, on fait des kicks. Allez, serre tes abdos. Plus haut le genou. On voit qu'il tient pas 50 secondes, hein. Ouh. Alors, fente overhead. Donc c'est des fentes. Et ouais, encore, faut encore un peu traîner nos fesses aujourd'hui. Overhead, ça veut dire avec le sac au-dessus de sa tête. Alors, on descend fente avant ou en fente arrière. On alterne. Allez, les bras sont bien tendus, hein, au-dessus de la tête. Ça glisse là-haut. Avec ce sac, mais faites les moyens du bord, hein. Allez, 15 secondes. Allez, la jambe opposée, hein, devant pour être stable, le dos bien droit. Alors, si c'est trop long le sac, vous pouvez faire avec une bouteille d'eau éventuellement. L'autre côté. Allez, c'est parti. Allez,
deuxième exercice. Non, il n'y a pas de pause. Laurent, regarde le programme. Ah, il n'y a pas de pause. Comme si on avait l'habitude de faire des pauses. Allez. Allez, là, ça chauffe les dorsaux, hein. Allez, coude bien haut, hein. Fais attention à son dos. Allez, maintenant, c'est du squat sumo. Avec ou sans le sac dans son dos. Sumo qui fait travailler un petit peu les adducteurs. Un peu plus les adducteurs. Allez, jambes assez larges. Orientées vers l'extérieur. Et on descend. Comme des sumo. Allez. Bien sûr, ces talons aussi. Hein. Vous les sentir, ça fait travailler un petit peu plus l'intérieur des cuisses. Il y en aura un autre comme ça pour l'intérieur des cuisses. Tonifier tout ça. Allez. Allez, vous sortirez de ce confinement encore plus fort. Vous êtes top. On est top. Allez. Super crunch, c'est celui qu'on a fait à l'échauffement. Allez, c'est parti. Allez, on se remet bien sûr ses pointes de fesses. Tends les jambes et reviens. S'il faut, pose les jambes. Si ça c'est dur, crunch. Voire même crunch. Ok? Surtout, on vient bien sur ses pointes de fesses, hein, pas sur ses lombaires. On profite un peu de l'élan. Un vrai ressort ici. Allez. Au niveau de la tête,
Faites juste attention de ne pas trop basculer vers l'avant. Essayez de le garder devant vous un maximum. Allez. Ouais, un exercice qui revient hein, parce que au poids de corps, son matériel, c'est parfois un peu plus de tête. C'est la bascule. Allez, sur une seule jambe, on fait bien une bascule. Hein. On emmène le poids au sol et on revient. On essaie de ne pas poser la jambe. Voilà pour stabiliser. Commencez par la mauvaise jambe. Allez, là ça fait travailler l'arrière des cuisses, les fessiers, les mollets. Allez. Ouh. 10 secondes. Et l'autre côté. On va avoir un coup, hein, parce qu'à chaque fois, il n'y a que 10 secondes, hein, vous l'avez compris, on ne s'arrête pas. Hein. Allez, c'est parti. C'est cela. Toc. Allez, c'est parti. Alors, on va bien toucher le sol. On peut même ici croiser, aller chercher son pied à la poser. Option, on ralentit. Toc, toc, on descend. Toc, toc, on descend. Ok? Allez, 10 secondes. Exactement. Allez, c'est pour les triceps. Allez. Allez, on plisse les coudes, hein. Et on les détend totalement. Voilà. Si c'est lourd votre sac, prenez deux bouteilles de poids identique. Allez, 5 secondes. Allez, on tient. Voilà. Allez, ça nous voit un peu les adducteurs en salle. C'est ce mouvement là, tac, on ouvre, on croise. Ici, d'un mouvement ferme, dynamique, mais main maîtrisée pour travailler l'intérieur des cuisses. Et on croise bien. Soit tu poses la tête, soit tu la surélèves un petit peu.
putain, est tonique, hein. Tiens, viens avec ses abdos. Si on a du mal, on met ses mains sous ses fesses. Faut pas que ce soit les abdos qui soient limitants. Allez. Mouvement ample, hein. Allez. Cinq secondes. Oh, on reste là, c'est la chandelle. Vous savez, c'est celui-ci. On monte les fesses. Allez, c'est parti. Soit on monte ou on peut aussi juste un petit peu décoller le bassin comme ça. C'est aussi des abdos. Ceux qui arrivent à monter, on monte. Exercice, c'est un exercice d'épaule développé. On l'a fait samedi dernier pour ceux qui étaient là. Sauf que samedi dernier c'était 40 secondes. Ah, il fait chaud là normalement, hein. Ça s'amuse bien, Lolo. Un petit peu. N'hésitez pas à réduire le temps aussi, hein. Allez, 20 secondes. Sur les coudes, sur les mains, sur les genoux. Commence à goûter. Ça goûte, c'est bon signe, comme dirait quelqu'un que je connais. À 8 secondes. Et on relâche. Alors, donc là, assurez-vous juste d'avoir quelque chose d'assez solide quand même, hein, entre les mains. Kettlebell swing, la version russe. Alors, hop, on change de main, on marche à chaque fois. Alors là, c'est bien un mouvement du bassin, c'est le bassin qui emmène. Ok, on regarde devant soi et on change de bras.
20 secondes. Si vous changez de bras, c'est dur, gardez vos deux mains. Il faut que le sac à dos soit solide. Hein. Vous avez toute une vous rencontre et c'est de la camelote. Allez, c'est des kicks latéraux. Un bon coup de pied sur le côté. Allez, faites de la place. Hein. Allez, un bon coup de pied là. Hein. Donc détends bien la jambe. Hein. Toc. On détend pas totalement hein, cette jambe là. Gainage jack. Alors on est sur ses mains et on jack. Donc là c'est pareil, si c'est trop dur, essayez sur les coudes, mais souvent ça va beaucoup moins bien. Sinon vous le faites lentement, sinon vous restez en gainage. C'est ok tout ça. Allez, 25, la moitié. Allez, 17 secondes. Il est là un peu trop large.
plus pratique. Allez. Tes fesses. Oh ben ça commence à chauffer, dis bien. Allez, on pose l'autre côté. Allez, monte, pose le pied dans les bras. Et là, avec les bras qui restent le plus droit possible, ou légèrement coudés, on va chercher, on ramène. Garde bien tes fesses en haut. Alors ça, c'est l'option. Hein. Si vraiment c'est compliqué de faire les deux en même temps, garde tes bras stables en haut. Hein. Ou pas du tout même. Tu poses au sol. Allez, là, le défi, c'est de garder les fesses hautes. Faire ça, vous restez avec moi à votre rythme, c'est super. Allez, et relâche. Ah, tartine bloc. Oh, celui-ci à la fin il va un petit peu piquer, hein. Allez, sur une seule jambe, départ en starting block. Top, et je ramène le genou haut. Loin derrière, genou haut. Loin derrière, fais attention à son genou ici, hein. Et on redresse bien la poitrine. On s'affale pas non plus en bas, hein, on garde. Ça fait mal au genou. Mets le petit tapis, un peu de confort quand même. Allez, 15 secondes. Allez.
Allez. Allez, c'est les sit-ups. Avec le sac ou sans le sac. Je rappelle, les sit-ups, c'est ça. Ok? Donc soit les jambes en diamant, soit le pied serré, c'est plus facile. Et l'option avec le sac. Si vraiment vous ne remontez pas, passez en crunch simple. Il est où le sac? Il n'est pas ici. Allez. Les amis, c'est parti. Soit on reste comme ça et on se redresse, soit on s'écrase au sol et on se redresse. Allez, c'est parti. On se redresse bien à la fin. Hein. Redresse-toi bien à la fin. Allez, c'est l'avant-dernier. C'est normal hein, si ça devient dur, hein? Si c'est dur. Ouh, ah! Allez! L'air guitare. Allez, on relâche tout doucement. Talons foncés dans le sol, pieds flex, c'est-à-dire ramener vers soi. Et on incline le buste. On ne s'appuie pas sur cette jambe-là. S'il y a besoin de s'appuyer, on s'appuie sur celle-là. Allez, on doit sentir que ça tire ici, tout derrière. Derrière le cuisse, derrière le mollet. Ok, tout doucement, on relâche. On attrape sa cheville. Ah. Ah, c'est écrit trop petit, j'arrive pas à lire.
Allez, doucement, on relâche, pied flex et on incline. Oui, on remonte ce dernier pour aller faire pipi. Allez, on relâche. Allez, on va venir pousser les murs. Donc là, vous faites comme si vous vouliez pousser les murs de la maison de l'appartement. Allez, n'oubliez pas, et encore demain, hein, à 11h. Allez, la paume vers le ciel, on va tirer loin derrière. On va tirer ici, là, devant les épaules, les pectoraux. Et tu danses. Non. Toudou. Ok, devant, les épaules. Amène bien le bras devant toi. À l'autre côté. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, je suis contente, Nathalie. Ça t'est plus. Et aux autres aussi. C'est sympa hein, de changer d'exercice régulièrement. Hein. Ok. Moi, faut que je creuse la tête, quoi, hein, parce que 40, sans matos. Allez, ici, on va attraper le coude. Non, c'est là. Et n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires. Hein. Aussi, sur les réseaux sociaux, on aime bien vous lire. Ou les photos, on adore. On se sent un petit peu moins seul, n'hésitez pas à nous envoyer des photos. Vos chiens aussi, on a vu qu'il y avait des chiens qui étaient très forts en gainage latéral et en holo. On a beaucoup ri. Alors vous avez bien changé de côté, hein. Ok, allez, pour finir, on va être au sol hein, pour étirer les dorsaux. Ici, on va venir remettre les fesses en contact des talons. Et ici, on va grappiller des centimètres en gardant le contact talon-fesses. Et puis on va finir avec nos fessiers. Ici. Ok. Un pied par-dessus le genou. On ramène talon fesse. Sinon, on garde la jambe droite et on ramène le genou vers soi. Allez, on relâche tout doucement à l'autre côté. Et bien moi je vous propose de ramener votre main droite, votre main gauche et de vous applaudir parce que vous avez franchement bien travaillé. Je suis ravie d'avoir passé 7 heures avec vous et puis ben, on se donne donc rendez-vous demain matin à 11h pour le CTA. Ah ah, c'est joli, ça commence. Mais où ma petite Sandrine, j'en ai plein. En tout cas, portez-vous bien. Je suis là. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis on se donne rendez-vous demain. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Découvrez Salle de sport vraiment pas comme les autres. Bien dans ma peau à Wari, votre studio de coaching sportif à taille humaine. Des séances entièrement.